accepte pour ses mots gentils. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il a dit pour vous prier de m'excuser, parce qu'après mon intervention et la réponse, les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard de plus de 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Voilà. Je reviens, permettez-moi encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsable et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire des... je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple que à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Et on le fait. Donc on le voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible. C'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que vous êtes suffisamment paré à de telles éventualités? Et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure leurs portes? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais le devoir m'appelle. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président. Puisque le candidat numéro 20 va partir et que je prévoyais de poser une question de régularité et d'égalité qui est en rapport avec le pouvoir qu'il exerce encore, et je voudrais, Monsieur le Président, que dans le cadre de la régularité du principe d'égalité, nous, les candidats présidents de la République, on devrait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le président de la République sortant. Et je voudrais qu'ils nous disent, avant de partir, quelles sont ces mesures. Parce que si nous sommes égaux en tant que candidats, mais nous ne sommes pas en réalité, parce que pour que le président candidat arrive ici, la route était barricadée partout et il a pu arriver tranquillement. Mais nous, on était dans des embouteillages, il a fallu négocier. Mais si, dans le cadre des mesures qui sont prévues, on peut nous assurer aujourd'hui que nous aurons le nombre de gardes, mais aussi un véhicule pour les policiers qu'on aura, un véhicule gyrophare pour nous ouvrir la route. Pendant le temps que nous sommes candidats, ce serait juste. Ce seraient des petites mesures qui réaliseraient l'égalité. Je pense que le président de la République sortant
qui est encore au pouvoir, peut nous les garantir à tous pour réaliser cette régularité et cette égalité. Je vous remercie. Heureusement, pas moi qui organise cela. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur. Sous vos ordres. Aussi, les comportements des gouverneurs dans des provinces qui interdisent le meeting, la réunion. Si les chefs de l'État, les présidents. S'il vous plaît, suivons l'ordre, je vous en prie. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de répondre à la question qui a été posée. Et je voudrais vous proposer, avec tout le respect dû à votre rang,